Le combat qui arrive maintenant mérite quelques explications. Il y avait une ceinture en jeu dans le cadre de ce PFC. Mais faute d'atteinte du poids réglementaire par l'un des combattants, cette ceinture s'est transformée en super fight avec deux reprises de 5 minutes. Dans la catégorie catchweight, c'est une catégorie où les entraîneurs, les coachs et les organisateurs se mettent d'accord pour déterminer un poids de combat. Ce poids, c'est 83 kg. Les deux hommes vont s'affronter dans ces deux reprises de 5 minutes. Je peux vous dire qu'hier à la pesée, c'était explosif. L'homme que j'appelle maintenant et qui sera dans le coin rouge se nomme Viril the Hurricane Killer. De la team FK, 38 ans, 1m72, a été pesé hier
à 83 kg et 200 grammes, 19 victoires, 10 défaites, 1 match nul, 7ème aux Jeux Olympiques de Sydney en judo, combattant du M1, a combattu Nakamura, Yoshida, spécialiste bien sûr du judo et du Muay Thai. Je veux parler de Billy the Hurricane. Ça passe, 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 ça
Ainsi que la présidente de la Ligue de France en karaté,
accompagné de Marc De La Pietra, le tunnel Prado Carénage. C'était de la rigolade, on a voulu faire le show, c'est un petit peu dégénéré. Je tiens à remercier Ferid, qui est un grand combattant, qui a été mon adversaire ce soir. Donc j'aimerais bien qu'on l'applaudisse et je n'aimerais pas qu'on l'insulte. Merci. Merci, et c'est tout à l'honneur de ce grand champion. Les récompenses, on est dit, pour la ceinture, par Monsieur Claude Elargie, directeur du Palais des Sports. Cette ceinture Super Fight qui se rajoute à celle des 77 kilos que vous détenez toujours et la coupe remise par Abel Bensala, président de la Ligue de Provence de Karaté, accompagné de Marc De La Pietra du tunnel Prado Carénage. Merci de votre soutien à vous, merci d'être là. Venez mon club, venez mes amis, venez. Véric, pour la photo, tous ensemble, s'il vous plaît. Garde la plume. Voilà, et votre main, je te repousse, ne vous inquiétez pas. Avancez.